Car c'est bien. Est-ce que c'est une bonne marque pour toi, Car? Je vais te dire le texte exactement. Alors, je vais me noter dans le texte, petite seconde. En fait, c'est la première pause que je fais. C'est tout simplement la première pause que je fais dans la lecture, et ainsi de suite, à l'infini. C'est pas facile de construire un spectacle d'1h30 à partir de 4 livres qui sont chacun des livres de 200 pages. Il y a une matière énorme. Alors, c'est vrai que le premier choix s'est fait à partir des vidéos que j'avais. La deuxième idée que j'ai eue, c'est qu'il fallait trouver une ligne directrice, une colonne vertébrale, et je me suis dit que ça serait le roman Faire l'amour. 7, 8, 9, 10. La même scène s'est reproduite à Tokyo il y a quelques semaines, mais nous nous séparions alors pour toujours. Nous ne disions rien dans ce taxi qui nous reconduisait au grand hôtel de Shinjuku, où nous étions arrivés le matin même, et Marie pleurait en silence à côté de moi. Elle reniflait et hoquetait doucement contre mon épaule. Elle essuyait ses larmes à grands gestes brouillons du revers de ses doigts. De lourdes larmes de tristesse qui l'enlaidissaient et faisaient couler le maquillage de Cécile. J'ai découvert le livre de Jean-Philippe à la sortie de Faire l'amour. Et après, j'ai suivi le cycle de Marie. J'aime beaucoup composer de la musique autour des films. Il m'est apparu assez évident de composer de la musique autour des textes de Jean-Philippe. Je travaille avec Alexandre depuis des années et il m'embarque en fait à chaque fois dans des aventures nouvelles. Là, c'est la première fois qu'avec lui, je suis dans l'image telle qu'on est dans ce spectacle. Et c'est quelque chose qui se fait assez naturellement parce que je trouve que la musique du Delano a quelque chose de très cinématographique. Dans le spectacle, on essaie tous de faire un petit peu de musique, de tourner autour de différents instruments entre acoustiques et électroniques. Par nos moyens techniques et émotionnels, de traduire ce que Alexandre nous suggère. Le spectacle est, selon moi, assez contemporain, voire très contemporain, et les musiques suivent cette modernité. Elles vont de... C'est des musiques qui peuvent être assez simples dans la forme, du piano, de la trompette, du violoncelle. Et on a travaillé aussi sur des musiques électroniques assez contemporaines. C'est un mélange de formes, toutes formes artistiques qui sont répertoriées, la littérature, le cinéma, la vidéo, le théâtre, la musique, mais que toutes ces formes soient à ce point imbriquées, je crois qu'il n'y a pas d'équivalent. J'ai compris très rapidement que pour Jean-Philippe, c'était vraiment un projet de recherche de forme. Et ça m'intéressait beaucoup. C'est-à-dire que c'est une autre façon, une autre forme pour exprimer ce qu'il y a dans les livres. On est dans un spectacle qui est au croisement de la littérature, du cinéma, de l'art contemporain et de la musique. Parce qu'évidemment, la musique apporte aussi quelque chose de très... sensuelle. Avec la mer, dans laquelle elle se fondait avec délices, nue dans l'eau salée qui enrobait son corps. Avec la terre, dont elle aimait le contact physique, primitif et grossier, sèche ou un peu gluant dans la paume de ses mains. Je trouve que c'est absolument d'abord assez unique et absolument passionnant. De rentrer, d'avoir la possibilité pour un spectateur d'entrer dans l'univers d'un écrivain à travers la scène, à travers le média, plus la présence de l'auteur sur le plateau, qui est aussi du coup acteur, metteur en scène, adaptateur du texte, créateur total, mais par d'autres entrées. quelques années, Marie avait créé une collection de romans sorbets qui fondaient sur le corps des modèles en filaments liquides, tabac blond et vieux rose. D'accord. Ça, c'est le dernier cycle. Et les cycles, ils sont assez longs quand même. Hein. D'accord. Ça marche. Est-ce qu'on... Et tu essayes à ce moment-là de faire que eux s'arrêtent tous les trois en même temps et que toi tu coupes aussi en même temps que trois. Mais ce qui serait super bien, c'est que ça soit en rythme. Je crois que ça serait super bien que ça soit en rythme sur le dernier accord, que ça fasse direct quoi. En fait. Direct, ouais.